se donner les moyens de pouvoir aller au Havre en toute sérénité et pouvoir jouer avec beaucoup de confiance, beaucoup d'envie et beaucoup de plaisir, oui, c'est toujours intéressant. Mais il ne faut pas galvauder non plus le travail que l'on doit faire, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On a continué à manger normalement, on a continué à faire les petits déjeuners, à faire beaucoup d'attention aux soins. Tout le monde a été très sérieux, comme tout au long de l'année. Et donc, c'est important de garder une certaine cohérence aussi au niveau du travail. Je leur ai dit qu'il était important de bien finir la saison et si on pouvait atteindre la barre des 80 points, je crois que c'est un record. Et ça serait encore mieux. Ça marquerait aussi, malgré tout, le club. Ça marquerait aussi les joueurs qui ont fait ça. Et c'est toujours important de battre certains records. Après, on peut peut-être l'égaler et on peut peut-être le battre. Donc, c'est toujours important pour les joueurs et pour un club de pouvoir le vivre. Il faut y aller avec beaucoup de sérieux et montrer qu'on mérite la place que l'on a eue tout au long de l'année. Et montrer qu'on ne galvaudera pas de toute façon notre dernier match. Et il faut y aller avec beaucoup de sérieux, beaucoup de cohérence, mais aussi beaucoup de plaisir. Comme je vous expliquais, je ne suis pas là pour récompenser quoi que ce soit. Je suis là pour essayer d'aller gagner un match au Havre. Après, je ferai mes choix par rapport à l'équipe que je dois mettre en place. Mais aussi, il y a des joueurs qui ont performé et qui finissent la saison de la meilleure des façons. On va déjà finir notre saison là. On va essayer de se poser tranquillement à partir de la semaine prochaine, voire dans les 15 jours qui arrivent, tout en attendant aussi de savoir ce que les autres équipes vont faire, puisque les championnats ne sont pas finis, il y a aussi les barrages, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, on va essayer de mettre des choses en place et le club va sûrement travailler aussi sur l'existant avant de se projeter sur les joueurs qui peuvent arriver.